L'artiste a le droit de tout explorer. Il peut faire de chaque chose une œuvre d'art. Il offre un nouveau regard sur le monde, ou au moins sur un reflet de ce qu'il en a perçu. Il propose des formes inattendues, sorties de l'esthétique classique ou même contemporaine. Il décide lui-même de ce qui va être l'objet de son travail, de l'appareil conceptuel qu'il va devoir créer de toutes pièces pour inventer un nouvel univers et les règles pour le régir. Car sa création a le devoir d'être cohérente, compréhensible, transmissible. Elle doit ajouter un nouveau chapitre à la compréhension du monde. Né du croisement d'un père philosophe et d'une mère styliste, Koen van Mackelen est le premier artiste à s'attaquer à la génétique, à l'élevage artistique, à la diversité biologique et culturelle, à l'identité. En réaction à la barbarie avec laquelle nous traitons les animaux, Koen a élaboré un programme d'élevage, le Cosmopolitan Chicken Project. Il a déjà fait croiser des espèces de plusieurs pays, 17 à ce jour, et continue de multiplier les métissages. Dans son travail avec les poules, il implique l'humanité à qui il propose une nouvelle relation au genre animal. En reconnaissant leurs droits, il engage un débat, un combat contre la manière dont on traite les animaux, ceux qui vivent auprès de nous, qui nous accompagnent depuis des millénaires. L'être parlant a considéré que la planète lui appartenait, même s'il sait que les autres espèces sont autant que nous dépositaires, pour un temps très court, de la même planète. Au lieu de vouloir à tout prix et contre toute logique se replier sur une identité, Koen nous entraîne à une réflexion sur l'hybridation. Elle suit la logique même du monde. La nature est un brassage perpétuel de gènes et de formes tout au long de l'histoire biologique. Au-delà d'une recherche esthétique, il crée un art-monde, un art inséré dans le social, l'éthique et l'écologie. Un art qui nous oblige à nous impliquer, qui ne se contente pas de critiquer le monde, mais qui a la volonté de le changer. Un art, enfin, qui montre l'imbrication inextricable de l'humain avec toutes les autres espèces. Synergie, science, culture, éthique ont été convoqués pour la création en 2012 d'une université de la diversité conçue comme l'instance organisatrice des projets Cosmopolitan Chicken, le CCRP, The Hague, Marsh et Cosmocolem. Un projet humanitaire pour venir en aide aux enfants. Un géant en bois, une de ses premières œuvres, constituant le symbole des droits universels des enfants. Koen est un artiste effervescent qui fait naître sans cesse d'innombrables images. Son univers fantasmagorique se joue de tous les médias et de toutes les techniques. Des animaux empaillés aux immenses photos de têtes de coq, aux installations, aux œufs géants en pierre, son œuvre est diverse, ingénieuse, riche de sens. Il cite Kapoor pour son orientation spirituelle, Koen Ellis pour son rapport à l'animal, Picasso, Beuys, des artistes engagés, impliqués comme lui dans une volonté de changer le monde. Comme le jeune cuisinier qu'il a été, il fait avancer tous ses projets en même temps. De l'épluchage des légumes à la table, servie avec ses multiples plats, qui doivent être prêts à temps pour offrir aux hommes de quoi nourrir leurs pensées, leurs actions.